Je vais vous parler d'un film que je suis allé voir et qui n'est pas sorti il y a très longtemps. C'est Cheval de guerre. Et j'ai trouvé ça bien, même super bien. L'histoire du film, c'est celle d'un jeune garçon qui va élever un cheval. Mais le problème, c'est qu'un jour, son père, qui est en difficulté financière, va être obligé de le vendre à l'armée. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et le jeune homme va tenter de retrouver son cheval Joey. Et il va se faire engager dans l'armée. Et tout ça, c'est une belle preuve d'humanité, c'est beau. Que se passe-t-il? Ils ont trouvé un cheval qui errait dans le No Man's Land. Quel genre de cheval? Un cheval prodigieux, si tu veux mon avis. D'en prendre soin. Et si c'est possible, de te le ramener après la guerre. C'est mon cheval, monsieur. 4 mois après la sortie de Tintin, Steven Spielberg ressort un film pour enfants à la hauteur de ses talents. Bon, j'ai mis 4 sur 5 parce que pour moi, ce film-là ne va pas à la hauteur de La Guerre des Mondes. Vraiment, La Guerre des Mondes, ça... C'était vraiment le reflet du talent de Spielberg. Alors l'histoire du film, c'est l'adaptation d'un roman. Et là, l'adaptation, elle est nickel. J'ai pas lu le livre, mais je pense que ça correspond au livre. C'est une super histoire, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une super histoire. Alors l'esthétique du film... Elle est différente, tout ça c'est grâce au travail de la lumière sur les scènes. Ça m'a fait penser un peu à un film ancien, enfin pas noir et blanc, mais je sais pas, ça donne un style qui va très bien avec l'histoire Cheval de guerre. Et puis bon, les cadrages, comme à son habitude, Steven Spielberg recherche l'originalité dans ses mouvements de caméra. C'est super bien réussi. Et puis la mise en scène, il n'y a rien à dire. Les acteurs sont bons et les chevaux sont bons aussi. Par les cadrages des chevaux, Spielberg fait passer quand même de l'émotion. C'est rare que par un animal, on ressente quelque chose. Enfin non, mais ce film est vraiment bien réussi. John Williams, le compositeur de musique attitré de Steven Spielberg, signe une musique qui booste le film. Alors ce film, ça montre un peu l'atrocité de la Première Guerre mondiale aux enfants. Mais en fait, toutes les horreurs de la guerre qu'on voit dans le film, c'est mélangé à de l'émotion, de l'humour, de l'action, tout pour qu'on reste accroché. À l'histoire du film. Est-ce un de vos amis ? Et puis tellement qu'on est pris dans l'histoire à se dire mais est-ce qu'il va retrouver son cheval ? Tellement qu'on est pris dans les émotions, dans les trucs comme ça, les 2h30 de film, on les voit pas passer. Parce que quand j'ai vu la durée du film, je me suis dit oula. Et puis en fait ça se passe tout seul. C'est une aventure qu'on vit vraiment. Mais attention, tout ce qui est horreur de la guerre, c'est pas choquant. Les scènes ne sont pas choquantes. Il y a plus de trucs émouvants
drôle, mais le premier coup, ça ne choque pas. On va pas se dire « Ah, c'est horrible !» Non, il n'y a pas de ça dans le film. Donc c'est un film à pas manquer au cinéma avec toute sa famille. Les petits-enfants, les enfants, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde peut y aller, ça intéressera tout le monde. Toute la famille va être plongée dans l'histoire et peut-être même pleurer. Après ça, c'est un avis personnel. Et puis là maintenant, on attend le prochain film de Steven Spielberg qui sera en mai aux commandes de producteurs exécutifs dans le film Men in Black 3 en 3D. Et puis, n'oubliez pas, courez au cinéma. Il faut s'imaginer survolant un monde en guerre en sachant qu'on ne doit surtout pas regarder en bas. On doit regarder droit devant, sinon on ne rentre pas chez soi. C'est un honneur de monter à vos côtés. Chaque homme fait sa fierté et celle de son pays. Soyez courageux! Soyez courageux! Soyez courageux!